Allez, c'est parti, les 19h, c'est l'heure donc de commencer ce quatrième webinaire de la série Débuter ou se perfectionner en randonnée, organisé par la FFCAM et la FF Randonnée. On le disait en attendant, là on se retrouve donc tous les mardis et jeudis à 19h sur les pages Facebook de la FF Randonnée et de la FFCAM pour parler rando. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Jean-Emmanuel Tessier, je suis responsable adjoint du service communication de la FF Randonnée. Et le thème de ce soir est donc comment bien choisir son sac à dos, matériel ô combien important pour les randonneurs. C'est l'élément indispensable, hein, de l'équipement du randonneur. Il se doit d'être à l'image de la randonnée que vous projetez de réaliser, que vous partiez en balade pour quelques heures, en randonnée à la journée ou pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Avec votre matériel sur le dos, il est donc primordial d'avoir un sac à dos adapté à vos besoins et à votre morphologie. Donc, confort du portage, volume global, organisation du rangement, poids du sac, durée de votre rando. J'espère que tous les éléments à prendre en compte pour faire le bon choix de sac à dos n'auront plus de secret pour vous à l'issue de ce webinaire. Donc, pour ce faire, comme vous le voyez à l'image, je suis accompagné par Géraldine Melchiot, du Vieux Campeur d'Albertville, qui Bonjour. travaille notamment sur le secteur des sacs à dos dans le magasin. Je suis également accompagné de Philippe Poirier, qui est cadre technique à la FF Randonnée de la Drôme, qui est bien connu dans le Diois, dans les Baronnies et bien au-delà. Et je précise qu'ils sont tous les deux accompagnateurs en moyenne montagne, donc ils connaissent bien leur sujet. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions à l'issue du, enfin, pendant le webinaire. On tâchera de répondre à un maximum de questions après la présentation. Avant de commencer, un petit rappel, comme lors de chacun de nos 10 webinaires, Terre-Neuve, partenaire de la FFCAM, nous accompagne et offre une dotation à l'un ou l'une d'entre vous. Donc, pour gagner, rien de plus simple, il suffit d'interagir au cours de ce webinaire, donc en commentant, en posant une question, en disant bonjour, comme certains d'entre vous l'ont déjà fait, en partageant l'information ou tout simplement en liker. Donc, n'hésitez pas, c'est très facile. Et aujourd'hui, évidemment, le mot du jour, c'est un sac à dos. Donc, bonne chance à toutes et à tous. Je rappelle également que ce webinaire sera disponible en replay dès demain sur les chaînes YouTube de la FFCAM et de la FF Randonnée. Si vous souhaitez le revisionner ou si vous souhaitez le partager avec vos amis qui l'auraient raté. Voilà, donc on va pouvoir, après ces présentations, rentrer dans le vif du sujet. On va vous faire une introduction, une petite histoire du portage et du sac à dos. Thérèse Marie, si tu peux passer sur la slide suivante. On va également évidemment choisir son sac à dos en fonction de voir comment on choisit son sac à dos en fonction de ses randos. Une fois que ce sac est choisi, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on met dedans? Comment on le remplit? Comment on répartit les charges, le matériel? On parlera également étanchéité. C'est important pour celles et ceux qui partent en itinérance, notamment. On n'a pas toujours la chance d'être que sous le soleil. Et puis, on verra évidemment comment bien régler son sac à dos pour que sa randonnée soit une bonne expérience, qu'on ne se souvienne pas que du poids du sac à dos. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire. C'est donc Philippe qui va commencer et je vous retrouve dans quelques dizaines de minutes pour la conclusion de ce webinaire. Merci à vous. Oui, bien bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va commencer par un petit peu d'histoire avant de donner la parole à Géraldine pour des caractéristiques et des détails plus techniques sur les sacs. Donc, tout simplement, l'idée d'attacher votre équipement à votre sac à dos est plus vieux qu'on ne peut le dire, hein. Le sac à dos, comme on le connaît, comme on a l'habitude de le voir aujourd'hui, est apparu il y a pas si longtemps. On va faire un saut de 5 300 ans en arrière et dans les Alpes tyroliennes, c'est là qu'a été découvert l'ancêtre de ce qui pourrait être le sac à dos d'aujourd'hui, sur un vieil homme qu'on a retrouvé dans la glace, qui est resté congelé, donc avec un matériel intact. Et c'était un sac de cuir monté sur un cadre en bois,
en forme de U, faite en baguette de noyer et de planches anglaises. En gros, c'était une étagère un petit peu qu'on pourrait porter sur le dos avec des ficelles. Donc, c'est le plus ancien exemple de sac à dos qui a pu être trouvé dans l'histoire. Et après, pendant toute la proto-histoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, on a gardé la même forme de sac à dos. C'est le portage qui s'est un petit peu amélioré en commençant à entourant les cadres de bois de végétaux ou de peau pour le rendre plus confortable. Et au XIe siècle, on commence même à voir des hottes arriver. On a tous en tête un peu les gravures du Moyen-Âge où on voit des gens porter des hottes qui sont assez fines vers le bas et très évasées vers le haut. Donc, une idée déjà de porter du poids à cette époque plutôt en haut du corps, avec peut-être un côté fin qui transfère la charge vers le bas du corps pour éviter un petit peu l'effet tortue de tomber en arrière. Donc, voilà. Mais bon, après, ça a guère bougé avant le XVIIe siècle. Et là, on a commencé à élargir les lanières de cuir qui portaient les cadres en bois. Au 18e, c'est l'armée qui va rester un bon bout de temps pionnière dans le portage, qui améliore les techniques pour ses fantassins. Par exemple, les armées napoléoniennes, elles sont équipées de ce qu'on nomme à l'époque un havresac, qui n'est pas encore le sac à dos, hein, le mot sac à dos n'est pas encore apparu. Et c'est fait avec peau de vache, avec de la peau de vache, et c'est supporté par des bretelles. On voit tous le fantassin napoléonien avec son sac à dos, son paquetage, sa popote, qui n'était pas la popote d'aujourd'hui, qui était des grosses gamelles, et des tentes, des piquets. Les piquets de la tente, c'était des piquets en bois. Enfin bon, ça s'est amélioré. Au XVIIIe siècle, ça continue. Les premiers sacs à dos, comme on les connaît aujourd'hui, eux, par contre, n'arrivent que vers la fin du XIXe. Ils apparaissent en Norvège pour la première fois. Mais c'est encore l'armée en 1886, donc à la fin du XIXe, qui invente et brevette le design du cadre du sac à dos en bois. Alors, hein, ils déposent un brevet cette fois-ci sur un sac militaire. Et c'est un cadre qui est réfléchi pour répartir la charge sur les hanches. On commence déjà à avoir cette idée de répartir la charge sur les hanches. 23 ans plus tard, c'est un Norvégien cette fois-ci qui remplace le cadre en bois par un cadre métallique. Et cette charpente métallique, elle est incurvée à la taille. Et là, on est vraiment dans une conception anatomique du cadre. Et là, le transfert de charge se fait de plus en plus sur les hanches. Donc, les épaules, ils commencent de moins en moins à porter. C'est vraiment l'ère du transfert de charge qui commence. 1910, on se rapproche. Le mot « sac à dos » est ajouté au dictionnaire. Donc, voilà, le mot « sac à dos » apparaît en 1910. Un petit peu plus tard, 30 ans plus tard, des marques françaises apparaissent et spécialisent dans le matériel de plein air. C'est la mise au point en 1936 de la marture métallique par la Fuma. Et Millet suit quelques temps derrière. Donc, ces deux marques sont pionnières en France sur l'équipement de camping, de nature, notamment du sac à dos. Le sac La Fuma, on le connaît avec l'armature métallique croisée derrière, là, avec un sac en toile dessus. Donc, il est resté quand même une paire d'années à la pointe de la technologie des sacs à dos. C'est l'apparition des Cogepayé en 1936 qui offre vraiment l'explosion du marché, des activités de plein air et de camping. Les éclaireurs, le scoutisme, ça démarre à cette époque. En 1938, le premier sac à dos à fermeture éclair est inventé. 1950, le cadre du sac à dos métallique est remplacé par un cadre d'alliage en aluminium léger. On commence déjà à composer avec les nouveaux matériaux et ça va continuer à perdurer jusqu'à nos jours. 1967, encore un Américain crée le premier sac à dos avec un cadre intérieur. Donc, on peut dire que le sac à dos que l'on connaît aujourd'hui, qui équipe la plupart d'entre nous en randonnée, que ce soit des sacs à petit volume ou à grand volume, est vraiment apparu en 1967. C'est le début vraiment des sacs à dos comme on les connaît aujourd'hui. Les matériaux changent. La toile est remplacée par le nylon, également en 1967. Plus léger, à l'aluminium, des matériaux de plus en plus légers. Et ces nouveaux matériaux, ils rendent les sacs à dos de plus en plus populaires et ça permet également de les amener vers d'autres utilisations que la randonnée ou que le camping. Ça amène vers une utilisation urbaine, de loisirs, scolaires, voilà, tout un tas de choses. 85, le
C'est le premier modèle à mailles est inventé qui permet d'aérer le dos et de limiter la transpiration. On voit tous ces sacs à dos qui ont un filet voilà, qui permet d'avoir un espace d'air entre le dos et le sac. Voilà, c'est, ça date de 1985. Et dans les années qui suivent, bah, le sac à dos il se démocratise voilà, de, vraiment de partout. Donc voilà, on arrive à nos jours. Alors maintenant, Géraldine, qu'en est-il au 21e siècle? Quel sac à dos randonnée choisir? Je crois que tu es la mieux placée au Vieux-Campeur pour pouvoir en parler. Oui, on va essayer de vous présenter tout ça. Donc nous, au Vieux-Campeur, nous pouvons vous proposer une multitude de volumes possibles, du 20 litres, ou même du 10 litres, on va dire, jusqu'aux 75 litres dans les plus gros volumes. Donc les petits volumes autour de 20 litres de ce style-là, par exemple, là vous êtes sur un 12 litres, celui-ci un 22. Donc ça, c'est vraiment conçu pour des gens qui vont randonner une demi-journée, voire une journée complète et qu'ils ne veulent pas excessivement porter. Voilà, donc c'est bien ajusté pour ça. Et ils ont vraiment tous les accessoires adéquats pour pouvoir avoir un portage optimum, hein, avec une bonne ceinture ventrale qui va bien se reposer sur le bassin. Bah, des bretelles très ventilées pour celui-ci, également aussi cette marque-là aussi, hein, vous avez vraiment des bretelles très, très ajourées de façon à transpirer le moins possible au niveau des bretelles. Et ce qui compte beaucoup, c'est vraiment cette ventrale bien large qui vient englober vraiment le bassin sur le devant du bassin. Voilà, donc un petit peu tous les volumes. Donc là, on commence par les petits. Pour des gens qui ne vont pas randonner excessivement trop longtemps. Après, quand vous passez à la journée, généralement, les gens partent plus sur du 30, du 30 litres, 35 litres pour la journée. Généralement, on a quand même pas mal de choses à mettre, hein, entre le pique-nique, la boisson, les affaires de rechange, un petit peu une trousse de secours également que vous allez prendre aussi pour la journée, hein, au cas où vous faites mal. Voilà, donc ça, c'est important de l'avoir. Pour la journée, généralement, des affaires de rechange aussi, hein, une polaire, une veste imperméable aussi, au cas où. Un petit poncho si jamais il se met à pleuvoir aussi dans la journée. Voilà. Et puis après, quand vous passez sur des volumes un petit peu plus forts, 40 litres, 45 litres, ben, c'est plus pour des gens qui partiront, on va dire, deux jours. Au moins deux jours avec le matériel de campement, c'est-à-dire une petite tente, ou alors ils vont bivouaquer en refuge ou en gîte, mais ils sont quand même obligés de porter leurs affaires de nourriture également sur deux jours, donc ils ont besoin d'avoir un petit peu plus de volume. Donc 50 litres, si jamais vous voulez mettre un petit peu plus, voilà. Et pour bah, des gens qui partent une semaine, généralement, c'est minimum 50 litres. Pour des gens qui veulent partir en autonomie complète, c'est 50-60 litres, généralement. Et si vous partez plusieurs semaines en voyage pendant plusieurs mois, vous transportez toute votre maison sur votre dos, eh bien, 60 litres au moins, 70 pour les hommes, généralement. Les dames se limitent en volume aussi à 60 litres parce que on a forcément moins de force aussi, donc automatiquement, on va rarement orienter une dame vers 70 parce que ça sera vraiment trop volumineux. Voilà. Mais ça arrive que quelquefois, certains hommes prennent du 70 quand ils veulent vraiment être en autonomie complète. Voilà. Donc, 60, là, vous avez un modèle en 75 pour vous montrer un petit peu le volume que ça peut être. Donc, c'est un sac hyper... hyper accessoirisé, hein, plus vous augmentez de volume et plus vous avez d'accessoires sur un sac à dos. Donc là, forcément, comme c'est un 75 litres, il faut vraiment une grosse structure de dos. Je vous le montre un petit peu plus haut parce que sinon vous ne le voyez pas. Au niveau de la ventrale, vous voyez l'épaisseur de la ventrale, c'est quelque chose de très très épais qui va vraiment venir sur le tour du bassin et transférer en fait. Grâce à la ventrale, vous allez avoir tout le poids du sac à dos qui va se transférer sur vos cuisses et sur votre bassin, sur la structure osseuse en fait. Et donc, ça vous soulagera excessivement en fait le portage au niveau du dos, au niveau des bretelles, au niveau des épaules. Vous souffrirez moins en fait au niveau du dos. Voilà. Donc ça, c'est un des plus grands volumes que l'on peut faire.
Voilà, ensuite, ben, dans les sacs à dos aujourd'hui, maintenant, il y a plein de différences aussi de structure de dos entre déjà au niveau de la hauteur du dos. Donc, il existe des modèles féminins et des modèles masculins. Alors, les modèles féminins, c'est pour des gens qui sont vraiment en dessous de 1m70, on va dire, 65 même, 70. Voilà, et les gens qui sont en dessous d'1m70, il faut vraiment partir sur une petite hauteur de dos. Sinon, vous allez vous retrouver avec des bretelles trop longues, des bretelles qui cisaillent au niveau du cou. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu un modèle féminin. Vous allez souvent avoir des bretelles forcément plus courtes en longueur. Voilà. Un petit peu plus arqué aussi pour passer assez rapidement sous le bras et pas couper trop la poitrine. La hauteur du dos, c'est-à-dire la hauteur du sommet de la bretelle jusqu'à la ventrale, est un petit peu plus est forcément plus courte qu'un modèle homme aussi. Voilà, ce qui diffère le plus entre les deux modèles. Et puis, j'avais pris deux modèles, un modèle homme et un modèle féminin, en grand volume, pour vous montrer un petit peu la différence de hauteur de dos, qui est assez flagrant. Ça, c'est 65 litres, et il y a ça, un 60 litres féminin, ça, un 65 litres homme. Donc, on voit tout de suite la différence que vous avez entre cette hauteur-là et celle-ci. Voilà, et ça, et la longueur des bretelles est très, très différente aussi. Là, vous avez vraiment une bretelle très courbée pour passer rapidement sous le bras. Et chez l'homme, elles sont beaucoup plus larges et un petit peu plus, beaucoup plus longues. Voilà. Et généralement, une dame sera mal à l'aise en fait, avec un dos masculin aussi par rapport à la largeur des bretelles. Parce que quand elle va mettre ses bretelles, bah, les bretelles vont venir lui cisailler le cou et ça, c'est hyper désagréable. Au bout d'un... Enfin, quand on l'essaye comme ça en magasin, ce n'est pas trop... flagrant, mais quand vous l'avez une journée complète sur le dos, ça se sent énormément. Voilà, donc ensuite, ce qui va beaucoup changer aussi dans le choix d'un sac, généralement dans les petits volumes, les fabricants fabriquent de plus en plus de filets tendus, c'est ce qu'expliquait Philippe tout à l'heure. Alors ça, c'est très agréable pour la ventilation du sac à dos. Donc, vous avez l'air qui va circuler entre votre dos et le dos du sac. Donc, pour des petits volumes, c'est agréable dans le sens où vous n'allez pas surcharger votre sac à dos. Donc, il y a un gros intérêt par rapport à ça. Après, sur des gros volumes, vous le verrez moins, ce genre de structure, parce que justement, vous allez mettre du poids dans le sac à dos, supérieur à 10 kg généralement. Et dès qu'on a du poids dans le dos et que le sac est un petit peu décalé par rapport à votre dos, eh bien, si vous avez un filet tendu, le poids va partir un peu à l'arrière, comme ça, et ça va vous basculer le bassin à l'avant et vous serez très, très mal à l'aise. Donc, généralement, dans les gros volumes, vous serez vraiment avec un dos plutôt collé au dos. Donc, je vais vous montrer... Là, c'est pas vraiment un très gros volume, mais ouais, bah, celui-ci, par exemple, hein, celui-ci, là, vous êtes vraiment... Ça, c'est un gros volume de 65 litres. Et là, vous avez vraiment un dos collé au dos. On ne fait plus du tout de structure filet tendu là-dessus. Voilà. Ensuite, c'est pas une mode, puisque maintenant, ça fait quand même une dizaine d'années à peu près qu'on a cette structure filet tendu. Quand on a été habitué à porter vraiment un sac à dos collé à son dos, on a du mal des fois à s'habituer à ce genre de choses. Mais quand on l'a testé et qu'on a vu sur des petits volumes, hein, sur 30 litres maximum, bah, c'est quand même fort, fort agréable dans le sens où on transpire beaucoup moins avec ce genre de choses-là. Ou en tout cas, le t-shirt sèche beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc ensuite... je voulais vous montrer quand vous mettez votre sac sur le dos. Moi, je suis assez grande, donc je vais vous essayer un sac à dos plutôt masculin parce que sinon c'est trop court pour mon dos. Quand vous mettez votre sac sur le dos, donc les premiers réglages à faire. Donc, le premier réglage à faire,
c'est la position de la ventrale, en fait. Donc, la ventrale, bien sûr, vous avez vos hanches. Hein, la crête iliaque, c'est le sommet de la hanche. Donc, la ventrale, il faut qu'elle soit positionnée sur la structure dure de l'os. Alors là, la ventrale n'est pas très, très haute. Mais avec des grosses ventrales, il faut que vous ayez 2/3 sur la hanche et 1/3 au-dessus de la crête iliaque. Donc, ça fait 2/3, 1/3. Il faut que vous sangliez correctement au maximum, en fait, votre ventrale, de façon à ce qu'elle reste à ne plus bouger, en fait, sur votre bassin. Une fois que c'est bien positionné, votre sac, il peut tenir pratiquement tout seul, vous voyez. Il tient tout seul sans avoir d'autres réglages, on va dire. Et ensuite, bon, bah, vous réattelez un petit peu les bretelles. Voilà. Voici, voilà, c'est comme ça. Et ensuite, vous avez une ceinture sur une sangle sur l'épaule, comme ça. Et vous réattelez légèrement. Bon, là, il n'y a pas de poids dans le sac à dos, donc ça ne se sent pas énormément. Mais quand vous avez du poids, ça se sent énormément. Ça, c'est le rappel de charge sur l'épaule. Et quand on le fait, vous ramenez en fait le poids du sac en fait collé à votre dos. Donc ça, c'est super, super intéressant de le faire. Et quand vous avez du poids, vous le sentez tout de suite. Vous sentez vraiment tout de suite la différence. Après, là, bon, c'est un sac homme. Alors ça se sent un peu parce que même si je suis grande en dos, ce n'est pas forcément l'idéal pour la position de la ceinture de poitrine. La ceinture de poitrine, elle doit être positionnée entre la poitrine et le cou. Mais il ne faut pas que ça soit trop haut non plus pour ne pas vous étrangler au niveau du cou. Voilà. Et ça, la ceinture de poitrine, elle n'est pas très, très utile. Mais elle est simplement là pour tenir en fait les deux bretelles et les maintenir un petit peu serrées, surtout pour la descente. Bon, celui-là, voilà, là, au niveau du dos, bon, c'est pas très, très flagrant sur ce sac-là. Normalement, un sac à dos qui est bien, bien positionné sur le dos, il doit épouser correctement l'épaule. Bien être positionné sur le bassin et la bretelle, elle doit épouser vraiment parfaitement bien l'épaule. Elle ne doit pas du tout être décollée. Là, ce n'est pas vraiment le cas pour mon dos, vous voyez. Elle est décollée, donc ce n'est pas un sac adapté vraiment à ma corpulence. Ça, on le voit bien. Voilà. Après, donc la ceinture de poitrine, à mettre ou à ne pas mettre. Il y a des gens qui ne la mettent jamais. Il y en a d'autres qui la mettent parce que c'est important pour eux. Ça leur tient aussi les bretelles. Pour la descente, c'est mieux. Ça stabilise encore plus le sac. Voilà. Donc, ensuite, dans l'accessoirisation du sac, il y a des sacs qui sont très épurés, bah, comme celui que je viens d'essayer. Celui-là était très épuré en accessoirisation. Il n'y avait pas énormément d'accessoires dessus, pas énormément de poches, on va dire. C'est un sac qui est vraiment adapté pour de l'alpinisme, donc pas forcément purement randonnée, mais plus de l'alpinisme, donc assez étroit et pas trop de poches extérieures, mais juste du matériel pour porter des skis, des piolets, des crampons pour certains, voilà, et pas trop d'accessoires à l'extérieur et justement assez étroit pour pas gêner la personne qui le porte et sur les côtés. Voilà. Après, pour de la randonnée, généralement, vous serez avec beaucoup plus d'accessoires sur le sac. Au niveau des poches, surtout et surtout aussi sur l'accès à l'intérieur du sac. Généralement, un sac à dos, là, vous êtes sur un 50 litres, donc ça commence à être déjà un bon petit volume. Voilà, dans ces volumes-là, vous serez avec un accès sur la partie basse du sac, indépendante, qui permettra de placer des choses sans devoir tout démonter le sommet de votre sac à dos. Voilà, donc la partie basse du sac, où généralement vous allez mettre du volume, mais pas trop de poids lourd non plus, quand vous allez porter votre sac à dos. La partie basse est réservée généralement aux sacs de couchage, aux doudounes, aux choses un peu volumineuses, mais pas forcément hyper lourdes. Vous les mettrez vraiment en partie basse et souvent, pas tous les sacs, mais souvent, vous avez une cloison intermédiaire entre cette partie-là et la partie haute du sac. Vous pouvez mettre ou enlever. Là, elle est démontable également. Voilà.
Ensuite, au niveau de la, l'accessoirisation du sommet du sac, là, sur ce sac-là, vous avez un accès à l'avant du sac. Alors là, c'est, ça, c'est une poche. Excusez-moi, ça, c'est une poche plutôt à l'avant du sac. Voilà. Vous avez un accès, alors là c'est moi qui me suis trompée, un accès sur le côté du sac, pardon. Voilà. On enlève les petites sangles de compression. Voilà, un accès sur l'intérieur du sac, mais par le côté. Alors quelquefois, là c'est sur le côté, mais quelquefois, tout à l'heure je vous ai dit à l'avant, mais non, quelquefois c'est à l'avant ici, mais là c'était sur le côté. À l'avant c'est juste une poche de plus en fait pour mettre des petits accessoires. Vous voulez récupérer rapidement le poncho, les cartes, les vêtements que vous voulez récupérer assez rapidement sans devoir tout démonter le sac. Voilà. Donc ça, c'est intéressant pour ça. Vous avez quelquefois aussi des poches sur le côté du sac pour mettre les bouteilles, pour mettre les choses que vous voulez récupérer aussi rapidement. La carte, généralement. Le topo, enfin voilà, des choses comme ça. Sur les sacs de cette marque, vous avez un accessoire qui est vraiment exclusif à cette marque-là. C'est vraiment bien, je trouve. C'est un système pour mettre une bouteille, parce que généralement, beaucoup de gens maintenant fonctionnent avec des poches à eau. Donc, c'est des gros volumes d'eau que vous placez à l'intérieur du sac et vous buvez par l'intermédiaire d'un tuyau. Donc, c'est pratique, c'est très pratique parce que ça permet de boire assez régulièrement, assez doucement, sans trop boire rapidement. Mais c'est aussi sympa des fois de boire à la bouteille, comme on buvait à l'époque. Voilà, et ce système-là permet de mettre en fait une bouteille. Alors, là, je en avais un autre aussi comme ça. Vous voyez, vous pouvez mettre la bouteille directement comme ça. Donc, ça, c'est vraiment, je trouve, assez ingénieux comme idée. Voilà, ensuite... Vous avez une multitude d'accessoires aussi pour porter des bâtons, des piolets, même si c'est de la randonnée, quelquefois on a besoin d'un piolet pour passer des cols aussi un petit peu enneigés. Donc vous avez la possibilité de le faire hein, par ces boucles-là. Ces petites accroches-là, donc vous placez soit des bâtons, soit un petit piolet de randonnée. Voilà, donc ensuite, vous avez à l'intérieur du sac, alors là, je ne sais pas si ça va se voir, voilà, ici, une accroche, cette accroche-là, avec une poche à l'intérieur, et c'est là-dedans que vous allez pouvoir glisser la poche à eau. Le maximum du poids, en fait, le plus possible, collé au dorsal, en fait, sur cette zone-là, le plus collé possible au niveau du dos. Et puis, ben, bien sûr, le volume principal. Donc là, vous allez mettre tout votre matériel, la tente, le réchaud, la popote, tout le matériel de camping, les affaires de rechange, la petite trousse de toilette, la trousse de secours, etc. Trousse de secours, peut-être plus dans la capuche ou peut-être en partie basse aussi. Comme ça sera un petit peu plus rapidement accessible aussi. Voilà. Alors, sur les grands volumes aussi, ce que vous n'avez pas sur les petits volumes, des fois, les petits volumes sont plus avec une forme borne. C'est comme la forme arrondie, un petit peu comme une borne. Mais dans les grands volumes, vous avez toujours une capuche par-dessus, rehaussable généralement, donc avec des petites sangles qui sont à l'arrière. Rehaussable, pour quelle raison? Quelquefois, quand vous êtes en randonnée, vous allez partir avec beaucoup de nourriture, beaucoup de volume, beaucoup de choses dans votre sac à dos. Donc, vous avez un sac hyper rempli. Donc, votre sac va peut-être diminuer au fil de la randonnée parce que vous allez utiliser toute la nourriture qui est à l'intérieur. Et donc, forcément, il va falloir moduler un petit peu la hauteur du sac. Et ça, le fait d'avoir la capuche amovible et rehaussable, c'est très très bien dans le sens où ça permet d'avoir un sac à dos modulable un petit peu en volume. Voilà, ce qui est important aussi, c'est toutes ces sangles de compression sur le sac à dos. Ça, c'est très important de les ressangler. Quand vous l'avez bien rempli votre sac à dos,
Vous désanglez au maximum les sangles au départ, hein, de façon à bien avoir le volume complet. Et quand il est rempli, vous ressanglez ces sangles-là sur le côté. Vous en avez une en haut, une en bas. Voilà, des deux côtés. Donc, pareil de l'autre côté. Tout simplement pour plaquer au maximum le poids du sac à dos le plus possible collé à votre dos. Plus vous aurez un sac à dos vraiment collant au dos, et mieux vous porterez. Ça, c'est très, très important. Il ne faut pas avoir un sac complètement béant, de façon, parce que sinon, vous allez mal porter, votre sac va vous emporter à l'arrière, et ce n'est vraiment pas du tout agréable. Voilà, après, dans la capuche, vous avez aussi toujours plein de petites poches, hein, toujours pour compartimenter au maximum vos affaires, pour pouvoir les retrouver assez rapidement aussi. Ça, c'est la poche, ce qu'on appelle la poche caméra. À l'époque, c'était peut-être pour mettre l'appareil photo, etc. Ce qui n'est pas l'idéal, parce qu'il ne faut pas mettre des choses trop lourdes non plus. Hein. C'est vraiment au-dessus des épaules. Donc, le poids plus à l'intérieur du sac à dos. Voilà. Les affaires que vous récupérez rapidement. Hein. Toutes les choses, le couteau, le matériel... La batterie pour pouvoir recharger toutes vos affaires, la frontale, les choses comme ça qui sont utiles, enfin, que vous avez besoin de reprendre rapidement. Alors, voilà. Donc, ensuite, je vais peut-être laisser la main un petit peu à Philippe. Je ne sais pas si vous voulez... Non, mais voilà, je suis un petit peu revenu, mais voilà, pour te soulager un petit peu aussi dans ta narration et dans ton explication, puisque tu fais quand même là un one-woman show depuis tout à l'heure. Alors, je vais peut-être aussi te reposer. Non, c'était bien moi pour insister. Alors, moi, j'apporte aussi l'expérience terrain, comme j'emmène quand même souvent du monde, hein, en randonnée, que ce soit la journée ou que ce soit en bivouac ou sur des semaines en itinérance totale, de cette importance qu'a dit Géraldine sur l'équilibrage du sac. Puisque bien entendu, son sac, il doit être choisi en fonction de sa morphologie, de son anatomie, on ne va pas y revenir, ça a déjà été commenté, mais le rangement du sac ne doit pas être pris à la légère, puisque ça va vous handicaper après sur tout ce qui va être longue distance ou à la fin de la journée, vous allez avoir mal au dos, et quand on connaît les problèmes de dos, souvent après, on a du mal à s'en débarrasser. Donc, la répartition des charges, comme l'a dit Géraldine, avec le poids collé au dorsal, voilà, et on ne va pas refaire la description, mais l'équilibrage du sac est très, très, très important. Il faut que le sac, des deux côtés, il ait le même poids. Alors, dans les sacs un peu plus type alpinisme ou sans poche sur les côtés, c'est un petit peu plus simple, puisqu'on a comme un boudin derrière le dos, et il est un peu plus simple de le ranger. En tout cas de l'équilibrer. Dans les sacs qui ont des poches sur le côté, on a souvent des déports qui peuvent nous faire pencher à gauche ou à droite ou derrière. Donc là, il faut bien répartir le poids et utiliser les sangles que Géraldine vient de décrire quand on ne sert pas de ses poches pour les rabattre et bien canaliser ce poids. Voilà, c'était important. Et il faut que dans le sac, rien ne bouge. Ça aussi, c'est important dans le chargement du sac. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis votre matériel, il ne faut pas que ça se balade et que ça fasse trop de bruit. Donc, il faut, avec des vestes, avec des matériaux très légers, combler les vides de manière à ce que ça ne bouge pas dans le sac. Voilà. Quand on a un petit peu compris ces règles, plus les règles expliquées avant de réglage du sac et tout ça, normalement, vous avez un sac adapté qui peut tenir assez longtemps sans vous faire mal au dos. Et si jamais il vous fait mal au dos, de plusieurs solutions, soit c'est un sac qui n'est pas fait pour vous, soit il est mal rangé, mal équilibré ou trop lourd pour votre poids. Sachez que le poids moyen porté, on va dire, qui est pour pouvoir supporter le poids, est à peu près 20% du poids de son corps. Pour une femme de 55 kg, on va dire, sur des longues distances, 11-12 kg, c'est des sacs déjà qui peuvent être lourds sur des grandes distances pour des gens qui ne sont pas habitués. Alors, bien sûr, après, on peut monter plus on est habitué, mais il faut faire attention au poids du sac aussi par rapport à sa morphologie.
Voilà, c'était un petit complément juste de répartition, d'équilibre et de rapport de poids. Géraldine, si tu veux continuer sur les questions d'étanchéité, les nouveaux matériaux aussi, peut-être. Oui, la plupart du temps, les sacs à dos sont souvent équipés d'une protection pluie, en plus, pour pouvoir, au cas où vous marchiez, vous partez une semaine de rando, ou même 2-3 jours de rando, et dans cette randonnée-là, forcément, vous allez peut-être être sous la pluie à un moment donné. Donc, il va falloir protéger votre sac à dos, parce que les tissus des sacs, en fait, sont bien déperlants, on va dire. Ce n'est pas de l'imperméabilité complète. Et puis, vous avez une multitude de fermetures éclair, de coutures, etc. Donc, automatiquement, l'eau peut s'infiltrer sur ces zones-là. Alors, la protection pluie, j'en avais pris une en modèle. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Elle est intégrée dans le sac la plupart du temps. Donc, c'est un grand capuchon, en fait. Et vous allez inclure le sac comme ça. Voilà. Et donc, là, vous n'avez aucune couture. Donc, il peut pleuvoir dessus. C'est un tissu qui est souvent celui-ci. Il est siliconé. Donc, il a vraiment une très bonne imperméabilité. L'eau va couler dessus et va ruisseler dessus, mais sans s'infiltrer à travers la fibre. Donc, ça, c'est hyper important de l'avoir dans son sac à dos quand vous partez. Bon, les gens qui partent à la journée, c'est pas très grave parce que généralement, on fait attention un peu à la météo. Mais on ne sait jamais. Mais si vous partez plusieurs jours, il faut vraiment l'avoir dans votre sac à dos. La chose aussi, moi je sais que pour des gens qui randonnent vraiment sur des longues distances, je les oriente vraiment à prendre un poncho, même si ce n'est pas très confortable à porter parce qu'on transpire quand même assez vite dedans. Mais en tout cas, ça a un gros intérêt, c'est que ça vous protège. Ça vous protège, vous, au niveau du cou et des épaules, ça protège le sac en même temps et ça protège un petit peu l'avant du corps aussi. Alors bon, il existe des ponchos qui vont vraiment descendre très bas. C'est pas utile forcément d'en avoir un qui vous couvre complètement tout le corps, mais au moins qui vous protège vraiment bien le sac à dos et les épaules. Parce que on a des produits un peu similaires à ça, vous voyez, c'est vraiment, alors c'est ça en volume, donc ça prend un petit peu de volume dans votre sac à dos, mais c'est pas très très lourd. Et ça, ça vous protège le sac à dos à l'arrière. Vous avez l'espace réservé pour le sac, voyez, à l'arrière, voilà. Et à l'avant, ça ne descend pas énormément sur le devant, ça descend juste sur le torse. Après, vous serez trempé peut-être sur les cuisses, mais ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est vraiment protéger le dos du sac, parce que si jamais vous ne protégez votre sac qu'avec ça et que vous êtes une journée complète sous la pluie, vous allez forcément avoir l'eau qui va couler entre votre dos et le dos du sac. Et donc, mouiller en fait l'intérieur, enfin, l'espace d'eau du sac, et ça va mouiller en fait l'intérieur de votre sac à dos. Donc bon, si vous avez des choses, un duvet ou des choses comme ça à l'intérieur, c'est pas très agréable de récupérer le soir vos affaires trempées. Donc ça, c'est pas mal du coup d'avoir ça. Géraldine, Philippe, petite astuce également à tous nos auditeurs. Les mesures d'étanchéité extérieure, c'est bien entendu la première chose à mettre en place. Mais quand on fait de la randonnée sur plusieurs jours, l'étanchéité intérieure est très importante. C'est-à-dire que ce que vous avez, vos affaires, essayez de les mettre toutes dans des sacs indépendants, étanches. Comme ça, déjà, ça peut éviter les ennuis si on renverse sa gourde ou si on crève sa poche à eau pour pas que son duvet s'attende, surtout si on a des duvets en plume d'oie, soit mouillé. Et derrière, s'il pleut vraiment beaucoup, si vous passez la journée entière à randonner sous la pluie, comme l'explique Géraldine, si le sac se mouille malgré ses protections, et si vous n'avez pas de poncho pour la couverture intégrale, derrière, vous avez votre sac qui peut complètement se tremper, mais vos affaires seront toutes étanches à l'intérieur. Donc, utilisez le sac poubelle ou des choses comme ça, toutes simples, pour l'étanchéité intérieure. Donc, ça, c'est une petite astuce d'expérience. Et voilà, et quand on renverse quelque chose dans son sac, ça ne souille pas le reste. Et de plus, si vous démontez votre tente avec le toit mouillé ou votre tente mouillée, si vous avez un sac comme ça pour la ranger qui est étanche, vous pouvez la ranger dans votre sac à dos et elle ne mouillera pas le reste. Donc voilà, tout bonus d'isoler un peu aussi à l'intérieur de son sac. Mmh.
Oui, c'est vrai qu'à l'intérieur du sac, vous pouvez aussi… alors, c'est vrai que c'est une très bonne chose de compartimenter ses affaires dans des sacs étanches. Si possible, c'est encore mieux, hein, dans le sens où ça vous évite de tremper les choses. Au moins, de mettre vos affaires fragiles qui peuvent prendre l'eau, les mettre dans un sac étanche. Ça, c'est super important. Ça, c'est vrai. Après, nous, on propose aussi aux gens de différents volumes aussi, en différents volumes et en différentes matières très légères, des petits sacs de compression de ce style-là, vous voyez, ça, ce genre de choses-là. Ça, c'est bien conçu pour ranger vos vêtements, et compartimenter un peu vos vêtements dans votre sac à dos. Généralement, vous avez une multitude de couleurs aussi, donc c'est pratique aussi quand vous ouvrez votre sac. Vous allez chercher, vous savez comment vous êtes organisé, ben vous cherchez le produit qui est dans ce sac-là. Ça, c'est un petit plus aussi. Géraldine, oui. Il commence à y avoir des questions. Donc, je pense que comme il était 19h40 et on s'était dit que maintenant, il fallait passer aux questions, on va peut-être continuer à répondre sur les questions. Et il y a une question là de Pascal Longhini. Et pour l'eau, au niveau hygiène ou autre, est-ce mieux d'avoir un tuyau pour boire ou directement à la bouteille? Alors, la poche à eau est un petit peu plus à nettoyer, enfin, pas plus, mais en tout cas, engendre des fois un petit peu plus de soucis, parce que l'eau passe à travers un long tuyau. Je vais vous montrer ce genre de choses. Donc ça c'est un système qui s'adapte sur des bouteilles, donc c'est encore différent, mais voilà, ça c'est un système tuyau que vous pourriez avoir accroché à une poche à eau souple, donc dans laquelle vous mettez de l'eau. Là vous avez un système qui peut s'adapter sur n'importe quelle bouteille plastique ou des bouteilles alu ou inox. Il faut simplement avoir un pas de vis qui s'adapte bien à ça. Voilà, ça existe. Donc, la différence d'hygiène entre les deux, c'est vrai qu'une bouteille, ça se nettoie plus facilement, plus rapidement. Vous avez un goupillon, vous nettoyez rapidement votre bouteille à l'intérieur quand vous rentrez de randonnée au bout de… Voilà. Si vous mettez que de l'eau, normalement, ça ne se salit pas. Vous pouvez nettoyer un peu le goulot assez rapidement. L'intérieur, ça ne se salit pas. La poche à eau, c'est pareil. Vous allez mettre de l'eau dans votre poche à eau. Et l'embout, en fait, il faut le nettoyer tout le temps, tous les soirs. Dès que vous rentrez, vous nettoyez bien, vous videz complètement votre poche à eau. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de vraiment remplir d'eau propre, en fait, votre poche à eau. Vous la montez et vous faites couler l'eau, en fait, dans votre tuyau, de façon à ce que l'eau circule dans le tuyau et nettoie, en fait, l'eau stagnante qui est restée dans la poche pendant une journée. Elle sort vraiment de votre tuyau. Et comme ça, ça vous évite d'avoir des moisissures qui pourraient arriver dans le tuyau assez rapidement. Alors, normalement, dans les poches à eau, il faut vraiment mettre que de l'eau. Si vous mettez des ingrédients énergétiques ou des choses comme ça, ou du sirop, ou des choses comme ça, alors là, ça va forcément faire de la moisissure dans le tuyau. Et ça, pour le nettoyer, ben, vous mettez du citron. Vous pouvez mettre du citron pressé, on va dire, dans de l'eau. Vous laissez un peu l'eau pendant un petit moment dans le tuyau et ça décape un petit peu la petite moisissure qu'il pourrait y avoir. Et ensuite, vous la rincez abondamment. Après, il existe des systèmes, des goupillons très longs avec un long filament qui peuvent rentrer en fait dans le tuyau. Ça, c'est aussi un système de nettoyage. Ça, vous le faites quand vous rentrez chez vous. Hein. C'est pas forcément, vous n'allez pas trimballer ça durant votre randonnée. Mais quand vous êtes chez vous, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez le faire. Vous passez le goupillon avec une longue tige. C'est un fin goupillon. Et ça nettoie correctement l'intérieur de votre tuyau. Et la poche à eau, vous prenez aussi un goupillon, vous le nettoyez également dedans. Géraldine ? Oui ? On change de sujet, après je peux des fois répondre si besoin, si tu ne sais pas, mais une question de Manon Verherk, pardon, excusez-moi de la prononciation. Bonsoir, je suis à la recherche d'un sac à dos pour des randos photos à la journée dans lequel je pourrais accéder à mon appareil rapidement et sur lequel je puisse accrocher un trépied. Aurez-vous des modèles à me conseiller ?
Malheureusement, chez nous, on ne vend plus forcément beaucoup de matériel. On a eu vendu beaucoup de matériel photo et randonnée. Mais les fabricants ne font pas énormément de produits comme ça, qui lient et la photographie et la randonnée. Souvent, vous avez un sac super accessoirisé pour de la photo, et donc avec plein de compartiments, plein de choses bien conçues pour la photo. Vos appareils sont bien protégés, mais vous n'avez pas beaucoup d'espace pour la randonnée. On a eu des marques qui ont eu fait ça il y a déjà 5-6 années auparavant, et malheureusement, nous, on ne l'a fait plus. Mais ça, c'était vraiment un produit assez intéressant parce que vous aviez vraiment en partie basse le système pour ranger votre matériel photo avec tous les caissons, toutes les mousses vraiment importantes pour protéger tous les appareils et les optiques. Et puis en partie haute, vous aviez un bel espace pour ranger votre matériel de randonnée, les vestes, le pique-nique, là, une poche aussi conçue pour mettre la poche à eau à l'intérieur. Et ça, ça existe, mais malheureusement, chez nous, on ne le fait plus. Oui, je pense que pour avoir regardé ça, et sans être vraiment un spécialiste, Lowpro fait des sacs qui sont vraiment typés rando, aventure, et avec une... on peut sortir son appareil photo sans enlever son sac. La poche appareil photo qui est toute capitonnée, prévue à cet effet, elle est, si vous voulez, latérale. Elle se situe au niveau de la taille, vers la sangle abdominale, et elle est latérale. Donc, il y a juste à ouvrir avec sa main une fermeture sur le côté et on peut sortir son réflexe directement. Voilà. Lowpro fait ça, je le sais, sans vouloir citer de marque, mais faudrait chercher. Mais ça existe. Hein. Cette marque fait beaucoup de matériel, mais très axé sur la photo. C'est rare de trouver des choses mixtes entre la photo et la randonnée. Il n'y a pas beaucoup de marques qui le font. Et c'est vrai que ce que tu dis, Philippe, par rapport à la rentrée, vous pouvez tourner votre sac à dos comme ça et vous avez une poche latérale. Donc, vous ouvrez le capot, en fait, et vous avez vos appareils qui sont dedans. Et ça, c'est vrai que c'est pratique. Alors, Naka. Alors, quel sac d'environ 40-45 litres aurait les bretelles les plus confortables du monde ? Non, j'ai rajouté du monde, hein. Elle dit les plus confortables. Forme ergonomique, respectabilité, confort, sangle pour rappel de charge, modèle femme, merci. On a beaucoup de marques hein, qui ont ces qualités-là. Après, donc, modèle féminin, donc... La marque Gregory, je vous ai montré pas mal de sacs. Voilà, ce modèle-là, par exemple. Alors, ça, c'est pas un 40 litres, c'est un 60 litres. Mais bon, vous aurez un peu le même style de produit. Donc là, vous avez vraiment des bretelles très épaisses, avec une bonne épaisseur de mousse, bien ventilée, vraiment adaptée pour une morphologie féminine. Vous avez Grégory, vous avez Osprey aussi, bien sûr, qui fait ce genre de choses. Après, ça dépend beaucoup de la corpulence de la personne. Si la personne est grande, si elle est petite, voilà, il faut vraiment venir essayer parce qu'un sac à dos, c'est comme une paire de chaussures. Hein. Si vous ne le prenez pas bien dans votre morphologie, vous n'allez pas forcément être très à l'aise avec. Donc, nous, on a vraiment un bon nombre de marques qui sont très confortables au niveau de la corpulence, hein, au niveau de la structure du dos. Donc, bon, là, je vous donne un exemple, mais c'est vrai que vous pourriez essayer plein d'autres marques qui pourraient peut-être vous convenir. Deuter aussi, en fait, c'est des mousses plus denses chez eux. Voilà. Si je peux rajouter, c'est peut-être la question, la tourner un petit peu en disant, mais quel est le sac qui a la ceinture abdominale la plus confortable possible ? Parce qu'en fin de compte, on porte beaucoup plus avec la ceinture abdominale qu'avec les bretelles. Oui. Mais tu l'as expliqué tout à l'heure. Oui, la ceinture ventrale, alors ça dépend le volume que vous choisissez. Plus vous serez sur des gros volumes, et forcément plus la ventrale va être haute, épaisse. Voilà, après, maintenant, les fabricants, alors pas sur celui-ci, je vais vous montrer un autre produit, c'était sur celui-là. Ah. Sur celui-ci, certains fabricants, maintenant, font des ceintures ventrales légèrement modulables en dimension.
C'est-à-dire que vous avez une bande scratchée, vous avez un énorme scratch qui peut plus ou moins faire rentrer en fait la ventrale. Donc, si vous avez une toute petite corpulence, bah, vous la rentrez au maximum parce que sinon, votre retour de ventrale va être trop grand pour vous. Mais si vous avez une bonne largeur de hanche, vous pouvez sortir la ventrale et avoir une ventrale qui revient un petit peu plus sur le devant du bassin. Et ça, c'est super confortable. Alors, une question maintenant de Nathalie Père, Nathie Père, pardon. Bonsoir FF Randonnée, Fédération Française Randonnée Pédestre et FF Cam, Club Alpin. Les sangles de rappel de charge et la ceinture de taille sont-ils des accessoires indispensables d'un sac pour le bon équilibre du marcheur? Je peux répondre si tu veux. Oui. Eh bien, oui, oui. En fin de compte, on l'a évoqué un petit peu, Géraldine l'avait évoqué, sur des petits sacs journée qui ne sont pas très très lourds, les rappels de charge ne sont pas obligatoires, parce que comme leur nom l'indique, les rappels de charge, ce sont vraiment pour rapprocher la charge du corps, du sang, du dos, de manière à ce que le sac ne déporte pas vers l'arrière. C'est pour éviter un petit peu l'effet tortue qui tombe sur sa carapace. Voilà, donc on va rappeler les charges vers soi de manière à attirer le sac le plus collé à soi. D'ailleurs, ensuite, ces rappels de charge, c'est pour ça qu'ils sont réglables et facilement accessibles. Dans les montées ou dans les descentes, on n'a pas la même technique de marche. Donc, il y a des randonneurs qui vont les desserrer pour avoir le sac qui se décolle un peu à certains moments. Pareil, quand on a de la charge, eh ben, au fil de la randonnée, eh ben, on va boire de l'eau, on va peut-être avoir moins de poids, on va manger. Eh ben, là, on va avoir un sac plus léger, donc on va avoir tendance à enlever, à dérégler ces rappels de charge. Voilà, c'est vraiment des rappels de charge, c'est lié à la charge. Alors, quand on a un sac à la journée, qui est un 30 litres, qu'on ne charge jamais trop, bon, le rappel de charge, ce n'est pas forcément obligatoire. Par contre, la ceinture ventrale, moi, je vous la conseille. Même si elle est de trouver des sacs avec une belle ceinture de charge, parce que c'est vraiment une ceinture abdominale, parce que c'est vraiment la taille qui porte et ça soulagera vos épaules et c'est préférable. Moi, voilà. C'est pas obligatoire, mais préférable. Mais sur les sacs grande randonnée, là, oui, on va dire que les deux sont quasiment obligatoires. Oui. Lucho, qui pose une question, quel est le type de sac à dos idéal pour partir faire un tour du monde? Un tour du monde? Alors, pour le tour du monde, et puis peut-être qu'on va l'évoquer. C'est pas le sujet du jour, mais j'ai déjà participé à des forums où il y a des gens qui partent avec des chariots. Vous avez le chariot français qui font des chariots de randonnée. Donc, c'est un peu comme une poulka quand on a une poulka en ski de fond, on va traîner son matériel. Et ben, il y a des gens qui partent faire des tours du monde avec des chariots de randonnée. Donc, ben, c'est une roue avec comme un brancard sur une roue avec une charge. Et on va le porter avec un harnais un peu, et le tirer en même temps avec ses bras. Donc voilà, c'est un sac qui peut partir sur des périples comme des tours du monde. Ça reste un peu, ce n'est pas un sac à dos, mais ça reste dans l'idée. Et bah, autrement, bah, c'est un très gros sac avec une très bonne ceinture abdominale. Et voilà, les sacs vont jusqu'à l'armée, jusqu'à 110 litres. Donc, vous voyez que vous pouvez avoir des sacs qui vont très, très loin. Bah, après, il faut pouvoir les porter. Oui. Déjà, 60. Enfin, nous, le volume le plus grand qu'on ait, ça doit être 80 litres à peu près. Ah non, j'en ai un autre chez Karima, oui, qui va jusqu'à 130 litres. Mais 130 litres, faut avoir envie de les porter quand même, hein. Et quand on part sur un tour du monde, généralement à 80 litres, ça vous suffit largement. Généralement, on prend le nécessaire, on va dire. C'est 130 litres, c'est vraiment pour des gens qui veulent mettre des grosses choses dans leur sac à dos. Parce qu'il a une très large entrée. Donc, bon, ça peut être utile aussi pour un voyageur d'un an, hein. Enfin, voilà, ça peut être utile. Mais voilà, un 80 litres, je pense que ça peut suffire aussi. Donc, je pense que ça va être Jean-Emmanuel, tu es là. Bien, merci. Merci à vous. En effet, alors, une petite précision ou un petit complément, je me permets, sur le sac tour du monde.
puisque j'ai eu l'occasion de tester le sujet. Un 70 litres de chez Carrymore qui m'a été remarquablement bien vendu par un vendeur du vieux campeur a parfaitement fait l'affaire, avec un petit sac de jour en complément d'une vingtaine de litres pour les petites balades à la journée. C'est parfait. Et après, pour ceux qui souhaitent vraiment faire de la rando, on peut en louer sur place ou en trouver auprès d'agences locales dans les pays qu'on visite si on veut vraiment faire de la rando. Ça fonctionne bien. Alors, je vous remercie. Il est déjà presque 20h. Il va être l'heure de conclure ce webinaire passionnant. On pourrait en parler pendant des heures. Merci à Géraldine, merci à Philippe pour vos précieux conseils. Pour celles et ceux qui souhaiteraient poursuivre la discussion ou avoir davantage de conseils, vous pouvez retrouver Géraldine en magasin au Vieux Campeur d'Albertville dans la zone du Chériac. Et puis vous retrouvez toute la gamme dans les autres boutiques du réseau ou sur le site auvieuxcampeur.fr. Pour celles et ceux qui souhaiteraient partir faire de la rando avec Philippe, vous pouvez le retrouver au comité départemental de la Drôme. Merci encore pour vos conseils précieux. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay sur les chaînes YouTube de la FFCAM et de la FF Randonnée dès demain. Donc, si vous souhaitez le revisionner ou si vous souhaitez le partager avec vos amis, comme je le disais tout à l'heure, je vous remercie pour votre participation active, vos questions, vos commentaires. Donc, ce webinaire sur les sacs à dos était le dernier consacré aux équipements après les vêtements et les chaussures. Et donc, je vous donne rendez-vous pour mardi prochain à la même heure, au même endroit, pour parler cette fois-ci de préparation de rando et bien choisir son itinéraire. Et on aura d'ailleurs le plaisir d'y retrouver Philippe qui interviendra à nouveau pour cette occasion. Voilà, je vous remercie à nouveau et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à mardi prochain. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.